Bonjour messieurs, je vais vous expliquer le protocole du CCPS, la partie pré-fatigue. Donc vous allez démarrer à l'arrière du plot, derrière votre musette. Premier exercice, le développé militaire. Vous saisissez votre musette. 1, 2, 3, comme ça, 20 fois. Vous mettez votre musette à l'arrière du dos. Les sangles, les deux sangles sur les épaules. Vous faites un aller-retour de 100 mètres en faisant le tour du plot. Vous revenez, vous repositionnez derrière le plot. Deuxième exercice, exercice de la planche. Vous vous placez comme ceci et vous comptez 20 répétitions. 1, 2, 3, etc. Jusqu'à 20. Vous remontez. Une nouvelle fois, vous entreprenez un partiel de course de 100 mètres. Vous revenez, vous placez à l'arrière du plot. Cette fois-ci, vous faites un exercice. Vous retirez votre musette lorsque vous avez passé le plot. Vous vous mettez au sol. Vous levez les pieds du sol. Vous tendez les bras et vous comptez 20 reps. Exercice abdominal oblique. Les bras sont bien tendus. 20 répétitions. Vous replacez la musette derrière le dos avant d'effectuer votre course et vous partez pour 100 mètres. Vous revenez derrière le plot. Cette fois-ci, vous enlevez la musette, vous placez la musette au sol, vous effectuez des jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5, 20 répétitions. Vous remettez votre musette, vous effectuez 100 mètres de course pour aller vous diriger vers le stand de tir pour là, cette fois-ci, ultime épreuve, effectuer votre tir. Effectuez un tir à l'arme de guerre de 3 cartouches, coup par coup, sur une même cible. La cible est placée à 10 mètres pour une arme courte ou à 50 mètres pour arme longue. L'objectif est de 2 impacts qui valident l'épreuve seuil, l'arrêt du chronomètre à l'issue de la 3e cartouche.